Welcome to the Jean-Baptiste Show! No, come on! Reddit N for Noob. Bienvenue dans ce nouveau champion de Troll Light en compagnie de Darius, la main de Noobus! Vous êtes fatigué de feed, vous êtes fatigué de perdre, vous êtes fatigué de ne faire aucun kill ou vous êtes tout simplement nul à League of Legends. Eh bien, Darius est fait pour vous! Et il n'est pas à 9300, non! Il n'est pas à 7800, non! Il est à 6300 PI! Soit seulement 975 RP! Et pour le même prix, vous avez droit à un skin! Et pour encore le même prix, vous avez droit à un autre skin! Alors profitez-en pour avoir votre Darius pour la ville et pour la forêt! Et là, vous me dites, mais comment cela est-il bien possible? Eh bien, c'est très simple, Darius est parfaitement équipé pour compenser votre noobisme. En effet, son passif est un embrasement gratuit qui vous assurera le kill sans effort, même si vous ne le méritez pas! Vous n'arriviez pas à toucher vos adversaires? Les skill shots ne sont pas votre fort? Eh bien, c'est désormais terminé! Avec le A de Darius, qui est un no-skill, il vous suffit d'appuyer pour toucher! Ensuite, le Z, crevaison, très facile d'utilisation, est là pour augmenter vos dégâts et ralentir vos adversaires, au cas où vous aurez toujours des difficultés à faire un kill! Le E, communément appelé le Blitz, est un grab qui rapproche les ennemis de vous tout en faisant un maximum de dégâts, au cas où le ralentissement, l'embrasement et le no-skill ne vous suffisent pas pour faire un kill! Et si tout ceci ne vous suffit pas, nullement besoin de désinstaller le jeu, nous avons la solution! L'ulti de Darius! Communément appelé le KS, il vous permettra de sauter sur vos adversaires pour faire un maximum de dégâts, et si vous achevez votre adversaire avec votre ulti, vous pouvez le faire encore et encore et encore jusqu'à avoir tué tout le monde! Mais ce n'est pas tout, Darius est tellement overcheat qu'il peut occuper n'importe quel poste dans la faille de l'invocateur! Et nous allons vous le prouver en utilisant notre roue du troll pic! Et attention, c'est parti! Eh bien oui, vous ne rêvez pas, pour cette vidéo, ce sera un Darius jungler! Bon alors, comme le poste de jungler c'est un peu compliqué pour votre niveau, on va dire que vous allez taper le gros golem, pas le petit, le gros. Vous allez appuyer simultanément sur AZ2 à répétition jusqu'à ce qu'il meure, et une fois terminé, vous allez taper tous les autres monstres, et ensuite vous irez taper sur les gens. Attention, n'essayez pas d'utiliser votre ulti sur les monstres, ça ne marchera pas! Et vous êtes désormais fin prêt pour taper sur les joueurs! Allez, on y va, on blitz, on crevaison, et on toupille! Et voilà, le kill est à vous, très très bien joué! Mais bien sûr, personne ne pourra parler mieux de Darius que les consommateurs! La parole est donc aux consommateurs! Ah non mais moi, vous savez, depuis que je joue Darius, ma vie a totalement changé. Avant j'arrivais à rien faire, et maintenant, je peux faire n'importe quoi, enfin, je me jette sur les gens, je m'en fous du focus, j'appuie sur toutes les touches simultanément, et j'arrive à faire plein de kills. Enfin, Darius c'est juste génial, ça a simplement changé ma vie. J'ai juste envie de dire merci Riot. Mais ah putain! Go Focus Lux! Putain, vous êtes trop cons dans cette team de merde! Oh là là! Kanan! Focus Lux! Allez! Allez! Putain! Vous êtes des merdes! Oh putain! Oh, j'ai eu le kill! Oh, j'ai eu le kill! Oh, j'ai eu le kill! Vous êtes tous nuls! Je vous reporte! Allez là! On vous roule dessus! On vous roule dessus là! Je m'en fous! Je te roule dessus! Ok, c'est bon, j'en occupe. Ok. Allez. Et bim! Allez, je suis tellement bon. Oh là là. Non mais c'est bon, je gère. Allez, paf! Toi t'es mort. Allez, ça c'est fait. Voilà. Allez, la Lux, tu me l'as fait. Allez. Oh là! Allez, c'est qui le patron? Sans déconner. Heureusement que je suis là. Ok. Ok les gars, on va dessus. Ok. 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 Jean-Pierre. Oui, Jean-Marc, je pense qu'on peut dire que c'est le tournant du match. Oui, fait, même oui. Si Darius a l'air toujours en pleine forme. C'est vrai. Ah, on dirait qu'il arrive dans la raquette. Oui. Il est dans la raquette pivot. Oui. Pivot. Oh mon dieu, il tente en 3 points. Il tente en 3 points. Oh, ça part de ce match. Et donc voilà le Darius qui arrive au bon moment en botte pour gank. Attention, c'est le grab et le Z. Et attention, il y a le Q-spell. Là, on avait dit que c'était bien utile de prendre les bots au niveau 4. Et là, attention, il décale. Ouh, très bien joué de la part du Darius. Il décale sur le Veigar et bim, c'est le KS. Très 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 bien joué de la part du Darius. Alors là, je sais pas trop ce qu'ils vont tenter. Oh, il va tenter la technique du piqué. Alors attention, la technique du piqué, ça consiste à ne pas bouger et à tuer mentalement son adversaire. Attention, observez. Et voilà! Et voilà le Darius qui a tué son adversaire sans bouger, juste avec la force du mental, c'est incroyable! Le S doit être tellement déçu. LOL!
Alors, convaincu ? Pour le build, c'est très simple. En commençant par les runes, vous prenez que des attaques damage, puisque de toute façon, si vous jouez Darius, vous ne vous intéressez pas encore aux runes. Pour la maîtrise, c'est pareil, on fait une 30-0-0, parce que de toute façon, ça revient au même. Les sorts d'invocateurs, vous prenez les couleurs que vous préférez. Pour l'équipement, essayez de prendre quelque chose de logique quand même. Par exemple, Ash Jungle, donc je prends une machine de potions, c'est très bien. Et après, on va partir sur un esprit de l'ancien lézard et beaucoup de résistance, puisque si vous jouez Darius, c'est que vous êtes mauvais, donc vous avez tendance à beaucoup mourir. Mais si malgré tout ça, vous avez quand même envie de feed, eh bien, prenez que des dégâts d'attaque. Et sur ce, je vais laisser le mot de la fin à Darius. Blah, 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 blah